Georges Bourgeois, je suis diplômé de la promotion génie chimique, année 91. De 1991 à 2000, j'étais ingénieur brevet au sein de cabinets de propriété industrielle. De 2000 à 2009, j'ai assuré la même fonction au sein du service central de propriété industrielle de Saint-Gobain. Depuis 2 ans, je suis directeur des brevets de l'activité vitrage et solaire du groupe Saint-Gobain. C'est un petit peu un rôle de chef d'orchestre qui consiste à coordonner les activités des différents services brevets sur les différents continents, en Europe, en Asie ou aux États-Unis. Je dépose à peu près un brevet nouveau tous les 2 jours et il faut savoir qu'un brevet est valable 20 ans, donc la prise de risque est importante. L'UTC m'a permis de cultiver 3 facultés, l'autonomie, la débrouillardise et aussi une certaine facilité à regarder ce qui se fait à côté de sa spécialité. Mon tuteur a eu aussi un rôle important. Il m'a aidé à choisir parmi les 3 postes qui m'ont été proposés à la fin de mon cursus. Sans son aide, je n'occuperais pas le poste que j'occupe aujourd'hui. Quand je regarde 20 ans en arrière, ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai aucun regret et je recommencerai. Quand je ne fais pas de la propriété industrielle, bah écoutez, je fais de la voile. Il faut savoir qu'en mer, les smartphones ne passent pas. Donc ça me permet vraiment de couper. Dans mon travail, il m'arrive parfois de rencontrer des UTC1. Et ce que je peux dire, c'est qu'on se reconnaît.